merveilleux, toi et moi nous avons. Quel Dieu merveilleux que celui qui a dit qu'il sera avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors au moment où tu regardes ce message, il est là pour s'approcher de toi. Est-ce que tu veux juste lui faire une place à côté de toi, je ne sais pas si dans un fauteuil, dans un siège, mais juste là où tu es. Dieu est présent. Je prie pour qu'en cet instant, la présence de Dieu soit tellement forte sur toi que tu puisses célébrer celui qui est assis sur le trône. Tous les peuples donnent un chant, aucun autre.
ton nom. Merci pour ce nom qui nous sauve, nous libère. Et merci pour le souffle que tu envoies, que tu déposes sur chacun d'entre nous. Oh,
Bonjour à toutes, bonjour à tous, est-ce que vous allez bien? Est-ce que vous n'avez pas remarqué qu'il y a quelque chose de bizarre, vous tous qui êtes sur Internet également, dans cette salle? Il y a comme s'il y avait un bateau au milieu. Et tous ceux qui connaissent leur Bible savent que Jésus, deux fois, a traversé un lac et ça s'est passé moyen. Dis à ton voisin, ta voisine, ça va bouger aujourd'hui. Ça va bouger aujourd'hui. En fait, ce qui se passe, c'est que la première fois que Jésus va traverser le lac, alors qu'il y a une tempête, c'est ce que l'on va vivre aujourd'hui, il est resté dormir au fond de la barque, ce qui a profondément agacé les disciples. Ça va être aujourd'hui. Et pour tous ceux qui le veulent dimanche prochain, on aura l'autre voyage, le voyage retour, où cette fois-ci, il va carrément dire aux disciples, allez-y tout seul, moi je reste de l'autre côté, et puis au milieu de la nuit, il va se passer un truc bizarre, mais venez la semaine prochaine, c'est juste énorme. Alors, puisque vous êtes là, je voudrais vous demander d'accueillir le plus chaleureusement possible l'église MLK, le pasteur Michael French. C'est vraiment un ami, c'est un gars super. Hello everyone. Salut tout le monde. It is so good to see you at MLK. Ça me fait plaisir de vous voir ici à MLK. And all the friends all over the world. Et vous tous qui regardez partout le monde. How are you, pastor? Comment tu vas, Yvan? I'm doing well. This is our third time. And the most beautiful crowd came to the third one. C'est les plus beaux maintenant. Everyone stand. Alors levez-vous. Everyone. I want you to go to three people and say these words. Alors, vous allez choisir autour de vous trois personnes à qui vous allez dire ceci. You're beautiful. Tu es magnifique. I see Jesus in you. Je vois Jésus en toi. Please remain standing. Alors, regardez ici. I want you to say this out loud. Alors, je voudrais que vous puissiez répéter après moi ceci à voix haute. I'm blessed. Je suis béni. I'm highly favored. Je suis... I'm full of joy. Okay, thank you. Je suis rempli de joie. Born to birth change. Né pour influencer. Now I want you to shout the next statement. Alors là c'était pas mal, mais la prochaine fois vous allez carrément crier ce que je vais dire. I'm not a chicken. Je ne suis pas une poule mouillée. No, I want you to shout. Non, on va vous donner une deuxième chance. Je veux vraiment l'entendre, quoi. I'm not a chicken. Je ne suis pas une poule mouillée. That's the most important point of today's message. C'est la chose la plus importante dont il va falloir se rappeler aujourd'hui. I want you to open your Bibles or on the screen. Alors que vous to Mark 4, verse 35. Alors que vous ouvriez votre Bible, vous tout ce qui est en direct ou bien ici dans la salle sur les écrans. Or your smartphone. Jesus is teaching on the kingdom of God. On va ouvrir dans Marc 4 et juste avant les chapitres d'avant, Jésus est en train d'enseigner les principes du royaume de Dieu. He's been dealing with the principles of the kingdom of God. Il enseigne les principes du royaume de Dieu. The power of the seed. Un de ses enseignements, c'est sur la puissance de chaque graine. That if you want a harvest, si jamais tu veux une moisson, you have to plant seed in the right place. Il faut, c'est la parabole du semeur, il faut semer au bon endroit. If you want God's harvest, you have to plant it in the kingdom of God. Si jamais tu veux récolter des choses de Dieu, il faut planter pour des valeurs de Dieu. The most important, most significant moment of the harvest. Si on réfléchit bien, le moment le plus important qui détermine la moisson is when you determine the size of your seed. C'est le moment avant où tu choisis la taille de la graine que tu vas planter. Small seed. Si tu mets une petite graine, small harvest. Tu auras une petite moisson. No seed. Si tu ne plantes rien, no harvest. Aucune moisson. Large seed. Si tu plantes une grande graine, great harvest. Grande moisson. How many of you need a harvest from God? Combien ont besoin de vivre une moisson de la part de Dieu? Absolutely. Then there's the moment of change. Et vient ce chapitre 4 qui est un chapitre de transition. The constant element of time is change. Il y a une caractéristique du temps, c'est qu'il change. In eternity, nothing changes. Quand on regarde l'éternité, c'est tellement grand, ça semble inchangé.
But in time, every day changes. Mais quand tu réalises bien, chaque jour est un nouveau jour qui change tout. Now I want you to get a hold of this. Hold life tightly, hold life loosely, it breaks. Première leçon. Que tu prennes la vie en t'y accrochant, ou bien que tu la prennes de façon très cool, dans tous les cas, la vie est fragile, elle peut briser. Many people think if they control every detail. Il y a beaucoup de personnes qui, dans cette foule, pensent que vous avez envie de tout contrôler, même les détails. It won't break. Et si vous êtes vraiment en contrôle, vous pensez que vous allez éviter que cela casse. It's all about themselves being in charge. Et dans ce cas-là, c'est comme si on fait de nous-mêmes être en charge de tout. There are others who think it doesn't matter. Une autre personnalité présente ici, c'est ceux qui sont au contraire très très cool, très tranquilles. I'm relaxed. Qui sont très relax. No hurry. Oh, jamais pressé. It breaks. Votre vie peut casser aussi. Now before I pray, I want you to hear this. Alors juste avant que l'on prie, je voudrais vous dire ceci. But in our brokenness, même si on vit un moment de brisement, He comes to heal us. Jésus vient pour nous guérir. In our brokenness, we turn to Jesus. Dans une période de brisement, tourne-toi vers Jésus. Before I pray, I want you to say one more sentence. Say to your neighbor, turn to Jesus. Alors dis à ta voisine, à ton voisin, tourne vers Jésus. Tourne-toi vers Jésus. Put your hand on your heart. Mettez votre main, s'il vous plaît, sur votre cœur. On va prier ensemble. Father God, notre Père, you are here. Tu es ici. Today we turn to Jesus. Et aujourd'hui, nous choisissons de nous tourner vers Jésus. Our words change the atmosphere. Nous croyons que les paroles que l'on prononce peuvent changer l'atmosphère. Our words release the power of your glory in our future. Nous croyons que sur ta parole, ça peut changer les choses. We are here to receive the incorruptible word of God. Et nous voulons entendre de ta part des paroles éternelles. That will grow into a great harvest. Afin que ça puisse faire grandir une moisson en nous. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. You may be seated. Tu peux t'asseoir. There are some things you might want to write down today. Il y a peut-être quelque chose que tu as besoin de noter. To take home to think about. Et quand tu retournes chez toi, tu rappelles ceci. There is seldom, if ever, unchallenged ground in this life. Il y a quelque chose qui ne change jamais dans cette vie sur terre. But with every problem, there is the power of God's word. Dans chaque problème, Dieu a prévu une solution. With every opposition, there's opportunity for the world to see our good works. À chaque fois qu'il y aura une opposition dans ta vie, c'est une opportunité pour que les autres puissent voir comment Dieu travaille grâce à toi. And they will glorify our Father which is in heaven. Et par tes actions, ils verront Dieu et ils glorifieront celui qui est là-haut. God has supernatural provision for every demonic wind of opposition. À chaque fois qu'il y a un vent contraire démoniaque dans ta vie, Dieu a prévu une provision spéciale pour transformer le mal en bien. Amen. Now, it was a clear day. Alors, au chapitre 4, c'était une journée, une belle journée. No problems. Il n'y avait pas de problème jusque-là. Crowds had been coming. Jésus avait une foule autour de lui. Jesus is teaching how his kingdom explodes through the power of sin. Et il parlait de son royaume. And that it's not to be hidden. The kingdom is not to be hidden. Le royaume n'est pas ici maintenant. But now Jesus is tired. Mais Jésus avait prêché longtemps, il était fatigué. He's ready to go to sleep. Et il avait envie de dormir. Have you ever been tired? Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'être fatigué? I was tired at the end of the first service. I went upstairs in your office and et tout à l'heure, alors que j'avais prêché plusieurs fois déjà, j'étais fatigué, j'ai pris un petit temps de repos. Jesus gets tired. Et Jésus était pareil. And he says this word. Mais avant, il a dit ces paroles. Let us go to the other side. Il a donné une parole à ses disciples. Il leur dit, allons de l'autre côté du lac. Yes. Pasteur. Ben là, il me parle à moi, là, pasteur.
Are you ready to go in the boat? I have to. Oui. Aïe, 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 sur ta parole. J'irai. Go. Cette nuit-là, le soir venu, il va se passer quelque chose. Voilà qu'un vent très violent se mit à souffler. Les vagues se jetaient contre le bateau qui commençait à se remplir d'eau. Jésus, lui, tranquille, dormait à l'arrière, la tête sur un coussin. Les disciples le réveillèrent et lui disent « Maître, nous sommes perdus et tu ne t'en soucies pas ?» Is it my turn? That night, a storm arose. Cette nuit-là, une tempête a éclaté. Everything began to change. Et tout l'atmosphère a changé. A word from God. Et pourtant, c'était sur une parole de Dieu qu'ils avaient bougé. Obedience to God. Ils avaient été obéissants à ce que Jésus leur avait dit. Everything changed. Et pourtant, tout a changé. Storms are no respecter of persons. Les tempêtes n'épargnent personne. They happen both to the wise and unto the unwise. Les tempêtes n'épargnent ni les justes ni les injustes. They happen to the obedient. Les tempêtes frappent ceux qui obéissent and to the disobedient. Et ceux qui n'obéissent pas. Storms came to Paul the apostle. Les tempêtes arrivent que tu t'appelles l'apôtre Paul. Storms came to Jesus Christ. Les tempêtes t'arrivent même si tu es Jésus en personne. They were storms of obedience. Il y a des tempêtes alors que tu as tout bien fait et que tu as obéi. Jonah faced a storm. Jonas, lui, a rencontré aussi une tempête. Because of disobedience. Alors qu'il avait désobéi. Out of obedience, a crisis was born. Mais ce jour-là, c'était alors qu'ils avaient été obéissants qu'une crise a éclaté. Failure, fear, loss of faith. Et il y a trois choses qui leur est arrivée. Ils ont connu un échec, ils ont connu la peur et ils ont failli perdre la foi. Have you ever lost your faith? Est-ce que ça vous est déjà arrivé de perdre la foi? Have you ever had fear? Est-ce que vous avez déjà connu la peur? Moi, je peux vous dire, je l'ai connu. Have you ever failed? I have. Est-ce que vous avez connu un échec? Moi, j'ai connu un échec. Now, Jesus is asleep in the back of the boat. Et Jésus, lui, dort à l'arrière. He's on a pillow. Il est sur un oreiller. The winds are blowing. Il y a des vents autour. The waves are back and forth. Il y a des vagues autour. And fear has filled their hearts. Et la peur est là. And all of a sudden, et soudainement, they turn. Ils sont retournés vers Jésus. Jesus. Et il dit, Jésus, don't you care? Tu ne t'en soucies pas? That we perish? Ça te fait rien? On est en train de crever? Now, there's some things we need to understand about this storm. Il y a quelque chose que tu dois comprendre lorsqu'une tempête frappe. Because if I were the disciples, parce que moi, si j'étais un des disciples ce jour-là, I'm in the storm. Là, je suis au milieu de la tempête. You doing all right, Pastor? Est-ce que tu as... Ça va. I'm having fun. I'm okay. Now, you may be different than me. Peut-être vous n'êtes pas comme moi. I'm in a storm. Mais moi, quand je suis dans une tempête, the boat is filling up with water. Lorsque mon bateau se remplit, I don't know about you. Je ne sais pas pour vous, mais... But I'm waking up Jesus. Mais moi, franchement, si Jésus y dort, je le réveille. Hein. Anybody say, that's me, I'm waking up Jesus. Tous ceux qui ont réveillé Jésus, levez la main. Now, there are people that will say to you, the reason Jesus was asleep, he had great faith. Peut-être, certains vont penser que Jésus dormait parce que lui, il avait une grande foi, une grande confiance. Jesus had great faith. Oui, c'est vrai, Jésus a une grande foi. But that's not why he's asleep. Mais il dort pas parce qu'il a une grande foi. Hein. He was tired. Il dort parce qu'il est fatigué. Now, maybe you've never been there. Peut-être que vous, ça vous arrive jamais. But sometimes I preach seven times in one day.
moi, ça m'est arrivé d'intervenir, de parler sept fois. And that night, I didn't care if I lived or died. et la nuit, je suis tellement épuisé. I'm going to sleep. Je dors là. Have you ever been so tired? If you died, you died, but you're going to sleep. Est-ce que ça vous est arrivé d'être tellement crevé que même si il fallait en mourir, vous vous réveillerez pas? So how do we examine how the disciples fail? Alors on va essayer d'examiner, de comprendre l'attitude des disciples. Now this is a statement you may want to write down. Alors peut-être il faut que tu écrives cela. This is very important. Marque-le. How you fail in life and the storm is when you make the storm about you and not about him. Tu échoues lorsque tu fais que la tempête tourne autour de toi au lieu de regarder à Jésus. Jesus said, let's go to the other side. Jésus a dit, allons de l'autre côté. If they'd woke up Jesus and said, si seulement les disciples avaient réveillé Jésus pour dire, Jésus, the storm's about to kill us. Bon, il y a la tempête va nous tuer là. You told us to go to the other side. Mais we're doing this on your word. Mais étant donné que tu nous as demandé d'aller de l'autre côté, nous avons confiance en ta parole, alors nous y allons. See, failure is not final. L'échec n'est pas là pour te terminer. Just because you fail, c'est pas parce que tu as échoué, doesn't make you a failure. Que tu es un échec. I want you to get this down inside of you. Gardez ça à l'intérieur. When Jesus looks at your future, quand Jésus regarde ton futur, he doesn't look at your failures. Il regarde pas tes échecs. He looks at what he did on the cross. Il regarde à ce qu'il a fait pour toi à la croix. He healed the sick. À la croix, he raised the dead. Il a guéri les malades. He cast out the demons. Il a ressuscité les morts. He died on the cross. Il a chassé les démons. But he's not dead. Mais il est pas mort. He's alive. Il est en vie. Jesus gets up. Jésus, lève-toi. And says, peace, be still. Et à ce moment-là, il se lève et il dit que la paix soit. When we fail, quand nous nous échouons, we turn to Jesus. Et que l'on se tourne vers Jésus, la paix arrive. Everyone say it, we turn to Jesus. Tourne-toi vers Jésus. In our fear, we turn to Jesus. Dans nos moments de peur, tourne-toi vers Jésus. When we lose our faith, we turn to Jesus. Quand ta foi est attaquée, tourne-toi vers Jésus. Now, I'm getting out of the boat. Je sors du bateau. I'm still. You're tricky. Now, this is going to be a little hard for me to talk about. Je vais essayer d'être le plus transparent possible. I have problems with fear and faith. Moi-même, j'ai parfois des gros problèmes avec mes peurs et avec ma foi. A few years ago, il y a quelques années, I was speaking one night to a crowd and my mother was there. J'étais en train de parler à une foule de personnes et il y avait ma mère parmi cette foule. Now you have to understand, my mom and dad pastored churches. Mais il faut que vous compreniez quelle est mon histoire personnelle. Ma mère et mon père, en fait, étaient des pasteurs d'une église eux-mêmes. Now, what I'm getting ready to say is going to sound strange to everyone in the room. Ça veut peut-être vous paraître quasiment impossible pour vous. In all of my life, I never once saw my parents sin. Mais moi, je peux témoigner que j'ai jamais vu mes parents commettre un péché dans la façon dont ils ont été l'un avec l'autre. Ils étaient toujours parfaits. And that's not me. Pas moi. I've never heard my mother get mad and say an unkind word. J'ai jamais entendu ma mère en colère prononcer des paroles méchantes envers mon père. Jamais. My father got out of bed every morning at 5 a.m. Moi, j'ai vu mon père se lever chaque matin à 5 heures du matin. Prayed, read the word, wrote his messages. Et il commençait sa journée en louant Dieu et en préparant ses messages. In church, I was loved by everybody. Et du coup, en fait, c'était un environnement hyper favorable. Tout le monde m'aimait quand j'étais gamin à l'église. But they never were sure I was going to go to heaven. Mais par contre, quand ils voyaient mon caractère, ils n'étaient pas vraiment sûrs que je sois sauvé un jour. Much less talk to you. Much less ever have the opportunity to speak in Paris.
They never believed that I was going to be a man of God. En fait, là-bas, personne n'aurait parié sur moi qu'un jour j'aurais été quelqu'un qui servait Dieu. Personne n'aurait parié sur moi. Their prayers were, God, help Mikey go to heaven. La prière des paroissiens là-bas aux États-Unis, c'est Seigneur, fais qu'il finisse quand même par aller au ciel, ce gars-là. It's true. Ça, c'était la vérité. That night, I said to the crowd. Et cette nuit-là, j'ai osé dire à la foule. I have trouble with my faith. J'ai des problèmes, ma foi est pas à la hauteur. Afterwards that night, my mother said to me, "Don't ever say that again." Ma mère m'a chopé à la sortie et me dit, "Je vais plus t'entendre jamais dire ça devant une foule." I don't think my mother had problems with faith. En fait, je pense que elle faisait partie d'une sorte de chrétien qui avait jamais de problème. I've never had a problem believing in Jesus. Ben, I've never had a problem believing in Jesus. Moi, j'ai jamais eu un problème jusqu'à ne pas croire en Jésus. Non, c'était pas ça. I've always had a problem with myself. J'avais un problème pour me faire confiance à moi-même pour suivre Jésus. Have any of you ever had problems with failure? Est-ce qu'il y en a qui ont des problèmes de ce genre? Have you ever had problems with fear? Est-ce que vous avez des problèmes pour gérer vos peurs? Have you ever had problems to lose your faith? Est-ce que vous avez la peur de perdre votre foi? I have. Ben moi j'en ai, voilà. And I thought about it a lot. Et moi je pense à cela. Should I talk about the fact that 54 years I've been preaching? Ça fait maintenant 54 ans que je prêche. I've flown all over the world. J'ai voyagé partout en avion dans le monde. Every time I come to the platform. Et ben je peux vous dire qu'à chaque fois que je vais sur une estrade, I'm confused that God called me. Je n'arrive toujours pas à comprendre pourquoi Dieu m'a appelé à le servir. Because I have failures. Parce que je me trouve pas à la hauteur. Fears. J'ai des échecs, j'ai des peurs. But I want you to get a hold of this very important statement. Et je voudrais que vous puissiez noter ce message important. Very important. Très important. You must understand fear can overwhelm you. La peur peut te détruire. But fear is not to stop you. Et pourtant, la peur ne devrait pas t'arrêter. Faith is not the absence of fear. La foi n'est pas l'absence de peur. Faith is action in the atmosphere and presence of fear. La foi, c'est la capacité d'agir malgré la peur. Whenever fear comes, quand la peur arrive, one of the things of my life, une des choses dans ma vie, I'm 71 years old. Au fait, j'ai 71 ans. I've been preaching 51. I've been preaching 54 years. Je vous dis 54 ans de prédication derrière moi. I've been to the former Soviet Union and Russia. J'étais tellement de fois en Union soviétique. 130 times. 130 fois. When I started in Russia, there were 61 churches. Quand j'ai commencé mes premiers voyages pour parler de Dieu en Russie, il n'y avait que 61 églises. In Russia today, maintenant en Russie aujourd'hui en 2021, there are over 4,000 churches. Il y a quand même plus de 4,000 églises. I always get confused because God touches people. When you respond. En fait, ce qui m'a toujours impressionné, c'est combien Dieu, il arrive à toucher les gens. See, you can look at the storm, alors que tu regardes à la tempête, but when Jesus stood up, tu es paniqué, mais quand Jésus se lève dans ta barque and said, peace, et qu'il be dit still. En un seul mot, calme. Their eyes moved from down. Ce moment-là, c'est comme si les yeux quittent la mer déchaînée et lèvent vers le ciel. To up. Vers le haut. See, when storms come, what kind of bird are you? Alors, j'aimerais te poser la question. Lorsque une tempête éclate, quel type d'oiseau es-tu? Are you a chicken? Est-ce que t'es une poule mouillée? No translation.
Je traduis pas ça. Everyone out loud say, I'm not a chicken. Mais tout le monde à voix haute dit, je ne suis pas une poule mouillée. Little chickens go out and look at the rain. Voilà ce qui se passe lorsqu'un petit bébé poulet and drowned. Et dans la tempête, il ouvre le bec, il se noie. Older chickens. Les vieux. Storm is coming. Les vieux poulets. So, la tempête arrive. Let's hide. On va se cacher. 20 months ago. Il y a 20 mois. We awakened one morning. Il s'est passé quelque chose dans le monde entier. That a storm had come to this planet. Il y a une tempête mondiale qui est arrivée. A storm to stop the move on this planet. Et cette tempête du Covid a arrêté tellement d'activités sur cette planète. Some chickens have hidden. Et je peux vous dire qu'il y a pas mal de poulets qui sont partis se cacher. And I want to say out loud, a mask is a smart thing. I'm saying the mask people are wearing is a good thing. Yeah. Et puis des fois, c'est comme assez sage de le faire. How many of you hate masks? How many of you hate masks? I didn't get it. Okay, say it again. How many of you hate the mask? Combien détestent le masque anti-Covid? Pardon, je cherchais le masque, je ne comprenais pas le masque avec le poulet. J'ai pas vu qu'un poulet pouvait avoir un masque. Excusez-moi, pardonnez-moi. Please do me a favor. Keep wearing it. Alors, on le garde, le masque, hein, c'est important. It's smart. C'est sage. That's not a chicken. C'est pas un poulet, ça. But it doesn't stop us. Mais le masque ne nous empêche pas de vivre. Are you a vulture? Il y a un deuxième type d'oiseau, c'est les vautours. A vulture is a bird that waits for the storm to be over. Le vautour, lui, il est presque content qu'il y ait la tempête qui arrive. It's looking down. Parce qu'il regarde d'en haut. Trying to find what will be dead. Ce qui va mourir pendant la tempête, parce qu'il va les manger. The world is filled with vultures. Ce monde est aussi rempli de vautours. Sometimes even a church. Et parfois l'église aussi. You can sit next to a vulture for years and not know they're a vulture. Tu peux me mettre assis ou assise à côté d'un vautour pendant de nombreuses années et ne jamais savoir que tu es assis à côté d'un vautour. Until there's a storm. Mais quand vient une tempête sur ta vie, all of a sudden there's a storm and vultures go, I saw it coming. Les vautours, ils sont les premiers à dire lorsqu'il y a la tempête, je l'avais vu venir, je le sentais, je le voyais arriver. Storms are coming. And there are vultures around. Et les vautours font le tour pour savoir qui ils vont pouvoir dévorer. Everyone else pointing a finger at somebody else. Et tout le monde pense que le vautour c'est l'autre. Gossiping about people. Eh ben moi je voudrais te dire que le commérage c'est une attitude de vautour. Are you a chicken? Alors est-ce que tu es un poulet? Are you a vulture? Ou est-ce que tu es un vautour? Or are you an eagle? Ou bien troisième possibilité, est-ce que tu es un aigle? I think I'll ask again. Je vais quand même leur reposer la question. Est-ce que tu es un aigle? Are you a chicken? Est-ce que tu es un poulet? Yeah, no. Are you a vulture? Est-ce que tu es un vautour? Are you an eagle? Est-ce que tu es un aigle? See, eagles fly in storms. En fait, ce que fait l'aigle, c'est que l'aigle, il monte pendant la tempête. Now, today I have friends here from Tulsa, Oklahoma. J'ai des amis ici qui viennent de Tulsa, en Oklahoma. From Oral Roberts University. De Oral Roberts University. Bella is here and she's even worked for our ministry. Et c'est quelqu'un, j'ai notamment une personne qui a travaillé avec moi. And they're going to school here at church. Et ils viennent aller à l'école ici à Paris. Where we live, et en Oklahoma, is known as Tornado Alley. Pour ceux qui connaissent la carte géographique des États-Unis, c'est sur la ligne des tornades, l'Oklahoma. I've had three tornadoes go right over the top of my house. Il y a eu trois tornades qui sont passées autour de ma maison. When those storms come, et quand ces tempêtes-là arrivent, chickens hide, les poulets se cachent, vultures wait, les vautours attendent leur temps, eagles fly, mais les aigles. Because the storm brings power to their lives. En fait, ce que fait l'aigle, c'est qu'il prend le vent comme un courant ascendant afin de monter là où il n'a pas la capacité de monter naturellement. In the front of the storm, il voit le vent de face there's arriver. Great winds, ce vent extrêmement puissant.
And the eagle will head into the wind. Et l'aigle fonce vers la tempête, mais il l'utilise comme un moyen de décollage. And when it hits that first wind, it shoots up in the sky. Et boum, il monte d'un étage. And then it turns to the wind again. Et il récupère un deuxième courant ascendant. And it shoots him higher. Et hop, il repart pour un niveau plus élevé. Everyone say higher. Est-ce que quelqu'un peut dire higher, plus haut? Higher. Plus haut. The eagle turns again. L'aigle, hop, récupère un autre courant. And the wind shoots him up. Et hop, il remonte encore un étage. Higher. Plus haut. Higher. Plus haut. Higher. Plus haut. Higher. Plus haut. When the storm hits, quand la tempête te frappe, chickens are hiding, alors que les poulets se cachent, vultures are waiting, que les vautours attendent, where's the eagle? Où est l'aigle? Above the storm. Plus haut, au-dessus de la tempête. Come on, get your arms out. Allez, 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 vous-même, vous prenez vos bras là. On va... voilà. You're not a chicken. Je ne suis pas une poule mouillée. You're not a vulture. Je ne serai pas un vautour. You're not a gossip. Je ne vais pas passer ma vie à commérer. You're an eagle. Je suis appelé higher. À être un aigle. Higher. Plus haut. Shout higher. Dis plus haut. The eagle can get so high. L'aigle va aller tellement haut. That the atmosphere is so thin. Que l'atmosphère est pauvre en oxygène. You and I would die. Un être humain finirait presque par mourir là-haut. While the eagle is on the nest. While the eagle is nesting. En fait, lorsqu'ils étaient plus bas dans leur nid, little insects. Il y a des petits insectes will crawl in the nest. Qui profitent de venir dans le nid et qui commencent à s'accrocher à l'aigle pour lui susurrer du sang. And begin to eat on the eagle. Et les aigles sont rongés par des petits insectes lorsqu'ils sont petits bébés et dans leur nid. And the eagle can't get rid of them. Et l'aigle essaye d'enlever les insectes, mais il n'arrive pas à se tourner pour les enlever. When it gets that high, mais par contre, lorsque la tempête est venue et qu'il est monté, the insects die. L'atmosphère est tellement pauvre en oxygène they drop off in the storm. Que les petits insectes décrochent. When you come into the presence of God, et quand tu montes tellement haut dans la présence de Dieu, and you begin to soar, et que tu commences à planer dans la présence de Dieu, ça dégomme tes petits insectes. You can get so high, the things that are eating on you, toutes les choses qui sont en train de te ronger de l'intérieur, will begin to die, vont commencer à mourir. And the air gets so pure, l'air est tellement pur là-haut, it heals you, que ça te guérit. Eagles, les aigles, it is time, c'est l'heure pour for vous, the church of the living God, c'est l'heure pour l'église du Dieu vivant, to fly, de voler plus haut. Higher! Plus haut! Now, these are my three last thoughts. Alors, je voudrais vous donner trois dernières pensées. When you're in the storm, quand t'es dans une tempête, to open up your vision, pour avoir une vision plus vision claire, gives you courage, parce que cette vision te donnera le courage. There are three things to remember. Il y a trois choses à mettre en place. Number one, première chose, remember what Jesus has already done. Quelque chose que Jésus a déjà fait. When I'm sick, en fait, rappelle-toi toujours ce que Dieu a fait. I go around and say, Jesus, you healed the sick. Quand tu te sens malade, tu dis, Jésus, je sais que tu as guéri des malades et moi, je suis parmi les tiens. Now, I know you live in Paris, so you don't have this problem. Peut-être que Paris n'avait pas ces problèmes-là. But occasionally, I need money. Mais parfois, ça peut arriver qu'on ait des problèmes d'argent. Do people in Paris ever need money? Est-ce qu'il y a des personnes à Paris qui ont des galères financières? Oh, right over here, this group. Il y a une personne qui malheureusement a connu des galères ici. And I walk around and go, Jesus, you taught about money. Eh ben, à ce moment-là, le bon réflexe, c'est de dire, Jésus, toi, t'as parlé de l'argent. You tell me if I seek first your kingdom. Et tu nous as dit que si on te cherchait premièrement ton royaume et ta justice. If I get involved in what's in your heart. Eh ben, je choisis. You get involved in my heart. De te faire confiance à ton cœur. Je suis en toi et tu es en moi. If I believe. Et sur ta parole, tu as dit, je crois. That everything changes. Que si je crois, tu as la capacité de number changer. One, I quote Jesus to Jesus. Alors, le premier bon réflexe, c'est cite Jésus à Jésus. Number two, deuxième réflexe, I remember what he's done for me. Je n'oublie jamais ce qu'il a déjà fait dans le passé pour moi.
personnellement. The person who has failures. Bien sûr qu'il connaît mes échecs. Fears. Times difficulty with my faith. Il connaît tout ce par quoi je suis passé. 4 years ago. Il y a 4 ans. My cell phone rang. Mon téléphone portable a sonné. It was my son. Et c'était mon fils. At that time, 39 years old. Il avait à cette époque-là 39 ans. He said, "Daddy, pray." Mon fils m'a appelé et puis il m'a dit, papa, faut que tu pries. I'm on my way to coach my son's baseball team. Parce que alors que je suis sur mon chemin pour aller dans mon travail de coach, the doctor just called. Je viens de recevoir un appel d'un docteur. I haven't even told my wife or children. Et j'ai même pas encore eu le temps de prévenir ma femme et mes enfants. I have cancer. Mais le docteur vient de m'apprendre que j'ai un cancer. I said, what kind of cancer? I said, what kind of cancer does he have? Et alors j'ai demandé à mon fils de quel cancer le docteur t'a parlé. I've never heard of it before. It's called mantle cell lymphoma. It's very rare. C'est un cancer très très rare. C'est un lymphome des cellules mentales. It usually happens to old people. En fait, normalement, c'est un cancer qui n'arrive que quand on est très âgé. He said, like you, Dad. Et mon fils me dit, tu sais, en fait, c'est un cancer pour les gens de ton âge, papa. I said, I will pray. I hung up the phone. Et j'ai commencé à prier au téléphone. And I called my doctor. Et j'ai appelé mon docteur. And I said, what is mental cell lymphoma? Et j'ai demandé à mon docteur, qu'est-ce que c'est que cette histoire d'un cancer des cellules du cerveau, là, mental? My doctor said, why? Et il m'a demandé pourquoi. I said, my son says that the doctors say he has... Parce que mon fils de 39 ans vient de me téléphoner pour m'apprendre qu'il était atteint de ce cancer-là. How old is your son? Et la première réaction de mon médecin, ça a été, mais quel âge il a ton fils? 39. 39 ans. He has a beautiful wife. Une femme magnifique. The three most beautiful grandchildren in the world. Les trois plus beaux petits-enfants dans cette terre. He said, would you like for him to go to Mayo Clinic? Et alors le docteur a dit, est-ce que tu penses que ton fils aimerait aller dans une clinique très connue aux États-Unis? That's the most famous hospital in America. Le plus connu dans ce domaine, aux États-Unis. My doctor said, my friend there is an expert in this. Je connais quelqu'un dans cet hôpital clinique spécial. These were his words. Qui est un expert. He said he's the number one expert in the world. C'est le même probablement le plus grand expert mondial sur ce genre de tumeur. I said, well, sure, but I don't know them. How in the world will we get in? Et moi, je lui dis, mais je n'ai aucun contact. J'ai pas moyen de pouvoir aller dans cet hôpital. There's a waiting list for weeks and months. Il y a une liste d'attente qui est énorme, en mois. He said, text me Jonathan's phone number. Et il dit, envoie-moi le numéro portable de ton fils. The next morning. Et le lendemain matin. That doctor called my son. Le spécialiste mondial a appelé personnellement mon fils. And said to him, et lui a dit, I've been asked to move you to the front of the line. Je vais te bouger en top de liste. Can you be here on Wednesday? Mais il faut que tu sois là mercredi prochain. This was Friday. Alors on était le vendredi. The day before we'd heard. Et ça allait tellement vite. The next Wednesday he was there. Et il était là mercredi. Testing for 3 days. Et 3 jours de batterie d'analyse terrible. The doctor walked into his room. Et alors le docteur revient dans sa chambre. John, il dit, Jonathan, you have cancer in your chin. Je confirme un cancer rare au niveau de la tête. Behind your ears. Derrière ton oreille, en fait. Your spleen and your groins. C'est pas bon. Your bones. Même tes os sont touchés. Your blood. Ta colonne vertébrale est infectée, ton sang est contaminé. He said to the doctor, how long do I have? La réaction de mon fils a été de dire au docteur, il me reste combien de temps à vivre? The doctor said, I really can't answer. I don't Et know. Le docteur lui a dit, je ne peux pas répondre à cette question-là. John said, do I have days? Alors mon fils est allé plus loin et lui a dit, est-ce qu'il me reste quelques jours? Yes. Il dit, oui, ça des jours, il te reste. Do I have weeks? Est-ce qu'il me reste des semaines? Yes. Oui, il te reste des semaines. Do I have months? Est-ce qu'il me reste des mois? He said, go home. Pas de réponse. Le docteur lui a dit, hug your children. Rentre chez toi et embrasse tes enfants.
I can't promise you months. Je peux pas te promettre les mois. Then the doctor said. Et le docteur a dit. There's an unusual test. En fait, on est en train de faire un essai clinique. Only 15 people will be allowed. Il n'y a que 15 personnes aux États-Unis qui peuvent être choisies. You're number 9. Et on a décidé de te mettre sur la liste, tu seras le 9e sur les 15. This weekend I'm flying to Washington and I'm going to be with the doctor who's over this test. Et justement ce weekend, je suis allé là-bas. Jonathan said, "Where is he?" Et Jonathan a demandé où est-ce qu'il est. About 60 miles from where Jonathan lives. C'est quelqu'un qui était très très loin. The next week he met with the doctor. Mais le docteur est venu. And the doctor said, "You're number 9." Pour lui dire, je viens de très loin pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Tu es pris dans l'essai clinique spécial. For over 3 years. Et puis pendant 3 ans. Chemo. Il a eu des chimiothérapies. Stem placement. Il a eu des opérations lourdes. Constant tests. Des tests. Couple of months ago, my son's still alive. Bon, je voudrais juste vous dire quand même que mon fils est toujours en vie. Secondly. Mais deuxièmement. A couple of months ago, he calls. Mon fils m'a appelé il y a quelques mois. He said, "When I finished my treatment." Et dit là, je suis en train de terminer mon traitement. The doctor said to me. Et le docteur vient de me confirmer. Don't come back. Que je n'aurai plus besoin de revenir. We can't find cancer anywhere in you. Parce qu'il n'y a plus aucune cellule cancéreuse en toi. On n'a aucune trace de cancer. Would you hold this? Eagle. Hallelujah. 20 months ago, they locked me in a room. Et même moi, il y a 20 mois, ils m'ont enfermé dans une chambre d'hôpital. They took me out of ICU because they knew I was going to die. Et en fait, j'ai été mis dans une unité anti-Covid extrêmement lourde parce que mon pronostic vital était engagé. Gave my ventilator to somebody else. Ils ont commencé à préparer même que mes affaires soient données à d'autres. I had COVID. J'avais attrapé le pneumonia. COVID. Et en fait, le COVID s'était transformé en flu, en pneumonie et en fièvre. And my lungs were collapsing. Et en fait, mes poumons étaient en train de lâcher. I'm alive. Et ben, je suis toujours là. God is here. Remember what he's done for you. Alors rappelle-toi ce que Jésus a fait pour toi dans le passé. I remind the devil what God's done for me. Alors moi, quand Satan me met la pression, je lui rappelle ce que Dieu he fait pour moi. You. Et ce qu'il fait pour toi. Turn to Jesus. Alors tourne-toi vers Jésus. You know, this is the third service. Vous savez, c'est la troisième fois que j'apporte ce message. Last night was the youth. La nuit dernière, il y avait tellement de jeunes. Hundreds had come. Qui sont venus sur le devant. I asked them to be honest with me. Et je leur ai demandé d'être honnêtes envers moi. Almost everyone responded. Presque tout le monde a voulu répondre. Some for the first time. Others many times. Peut-être pour certains, c'est la première fois qu'ils sont dans une église. Pour d'autres, ils connaissaient très bien l'église. Would you be honest with me? Mais veux-tu être honnête avec moi? I've been honest with you. Moi, je serai honnête avec toi. Have you failed? I have. Moi, j'ai connu des échecs, et toi? Have you had fear? Est-ce que tu as connu des peurs? I have. Est-ce que tu as des peurs? Parce que moi, j'ai des peurs. What's my secret? Et quel est mon secret? I turn to Jesus. Je me tourne vers Jésus. Do you have problems with your faith? Est-ce que tu as des problèmes dans ta foi? I have. Moi, j'en ai. In a moment, I'm going to count to 3. Et quand je vais compter jusqu'à 3, and I'm going to ask you to have courage. Je vais vous demander d'avoir le courage. Now you can walk out the door. Alors, c'est vrai que vous pouvez aussi partir. Say, who was that crazy preacher? Et dire, ce pasteur, il est bizarre, il est tordu, je pars. In the boat. Et puis, il y avait eu un bateau, c'était n'importe quoi. Or you can turn to Jesus. Ou bien tu peux choisir de te tourner vers Jésus. Do you have the courage? Est-ce que tu auras le courage? Say, Michael, I'm fighting some things in my mind. De dire, Michael, j'ai des problèmes dans ma tête. The battlefield is the mind. Je dois me battre. J'ai comme un champ de bataille intérieur. In your attitude. Avec mes attitudes. Your attitude determines your altitude. Est-ce que tu sais que tes attitudes déterminent ton altitude? Are you willing to humble yourself and say,
I need prayer. I need to turn to Jesus. Est-ce que tu vas dire, oui, j'ai vraiment besoin de me tourner vers Jésus? You know, in the first service, it was so large this morning, we couldn't ask everyone to come forward. En fait, il y avait tellement de monde ce matin, on pouvait même pas faire venir tout le monde. People crying. Being honest with God. Les gens étaient, certains étaient en larmes devant leur Dieu. In a moment, I'm going to count to three. Alors quand je vais compter jusqu'à trois, and I'm going to ask you, je vais te demander, do you have the courage to lift your hand? Est-ce que tu auras le courage de lever la main? Say tonight, I want to come to Jesus. Et de dire en cet instant, je veux venir vers Jésus. Three. Je compte jusqu'à trois. Will you lift your hand? Est-ce que tu vas lever ta main? One. Un. Two. Deux. One. Un. Two. Deux. Three. Trois. If you lifted your hand, stand up. Est-ce que tu pourrais, toi qui as levé ta main, te lever à ta place? If you didn't lift your hand, then you should have stand up. Et peut-être que quelqu'un se dit, j'aurais peut-être dû lever ma main, mais tu as une deuxième chance, tu as un rattrapage, alors tu peux aussi, toi aussi, te lever en cet instant. I'm going to do the same thing that I did in the first service. Je voudrais faire quelque chose. Because there's not enough room for everyone to come forward. Il n'y a peut-être pas la place pour que tout le monde puisse venir. So this is what I asked to the first crowd. Et c'est pour ça que je le demande. Are there any crazy people in the room? Je peux pas faire venir tout le monde, mais si quelqu'un a follement besoin de Jésus. Si quelqu'un a follement besoin de Jésus. I thought there might be 20. Ce matin, je pensais qu'il y a peut-être 20 qui vont venir. But there were people running. Mais je ne peux pas savoir. Until there was no room left. Je n'ai pas prévu tellement il y avait. Some of you just need a small miracle. Peut-être certains, vous n'avez pas beaucoup besoin. But some of you need help now. Mais ceux qui ont désespérément besoin d'une aide divine. With no heads bowed. Alors que les. OK. Every eye open. Alors que les yeux sont ouverts. I want every person in this room who's desperate for a miracle. Je voudrais simplement que ceux et celles ici qui reconnaissent. I want you to get out of your seat and come to the front right now. Tous ceux qui reconnaissent avoir désespérément besoin de Jésus, eh ben ils osent venir devant maintenant. Come. Oh, you. Keep coming. Don't stop. Tell people, excuse me, I got to get to the front. Peut-être tu vas devoir déplacer des gens dans la salle en disant excuse-moi, mais moi je veux pas rater ça, faut que j'y aille. Wow. Thank you for coming. Merci d'avoir le courage de venir sur le devant. Thank you for coming. Merci. Wow. Put your hand on your heart. Mettez votre main sur votre cœur. In just a moment, my dear friend is going to begin to sing. Et alors qu'on va entendre une louange. Those of you that are watching on camera, put your hand on your heart. Vous tous qui regardez depuis sur votre écran, mettez également votre main sur votre cœur. As she's singing, bow your heads and shut yourself in with Jesus. Et au moment où tu entends cette louange, his presence and power is all over this room right now. Sache que la présence de Dieu est partout là où tu es. Don't be afraid to worship. N'aie pas peur de louer. Don't be afraid to cry. N'aie pas peur d'exprimer tes émotions. Open your heart. Ouvre ton cœur en cette instant. And allow him to touch you. Et laisse Jésus s'approcher de toi. Part of your being. Et rentrer à l'intérieur de ton être entier. Si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort, même si ta barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit « Allons de l'autre bord ». Si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort, si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Si la barque t'entraîne, n'aie pas peur
Put your hands on your heart, everyone in this room. Est-ce que tu peux juste mettre la main sur ton cœur, que tout le monde ici, toi devant ton écran. I'm going to pray a prayer. Je vais vous inviter à répéter une prière. And I'm going to ask you to pray it from your heart. Et je voudrais que ça vienne mais de votre cœur. Most of you have known God for many years. Je pense que certains connaissent Dieu depuis longtemps. Some of you just a short time. Mais d'autres, vous n'avez que très peu de connaissances de Dieu. Some of you have never before turned to Jesus. Peut-être personne. Peut-être quelqu'un n'a jamais fait cette rencontre personnelle avec Jésus. But today, mais aujourd'hui, he's going to assure you of your faith. Il voudrait fortifier ta foi. He's going to show you who he is. Il voudrait te révéler qui il est. The power of your words. Parce que la puissance de tes paroles change the atmosphere. Peuvent changer l'atmosphère. I want you to say each part of this out loud. Est-ce que tu puisses répéter juste à voix haute? Now, some of you never talk publicly out loud. Peut-être vous n'avez pas l'habitude de parler. But I don't want you to say it to me. I want you to talk to God. Peut-être vous n'avez pas l'habitude de vous adresser à Dieu à voix haute, mais parle à Dieu. Come humbly before him. Everyone in this room out loud, pray, Father. Père. I come in the name of Jesus. Je viens vers toi au nom de Jésus. This afternoon, I turn to Jesus. En cet instant, je tourne vers Jésus. I surrender my life. J'abandonne ma vie entre tes mains. My thoughts
And my attitudes, I surrender to you. Mes pensées et mes attitudes, je te les remets. Forgive me of my failures. Pardonne mes échecs. Forgive me of my fears. Pardonne mes peurs. Forgive me when I've lost my faith. Pardonne mes pertes de foi. I believe in the Son of the Living God. Mais je crois dans le Fils du Dieu vivant. Who died on the cross. Qui est mort à la croix. Rose from the dead. Ressuscité des morts. Ascended to the right hand of the Father. Et qui est monté à la droite du Père. Jesus, you are my Savior. Et Jésus est mon Sauveur. Jesus, you are my Lord. Jésus est mon Seigneur. I love you, Jesus. Et je t'aime, Jésus. I'm putting my eyes on you. Mes yeux se tournent vers toi. To go higher. Et je veux aller plus haut. Higher. Plus haut. Now look at me. Alors regardez ici. This will be the third time I've said it. Voici. Your words change the atmosphere. N'oublie jamais que ce que tu prononces par ta bouche, ça change l'atmosphère. Do you know the number one thing evil is afraid of? Vous savez de ce que le diable craint le plus? The word of God and your praise. Il craint la parole que Dieu prononce et il craint tes louanges. When you open your mouth and you use the word of God, parce que lorsque par ta bouche il entend la parole que Dieu prononce, you're stepping from time into eternity. Tout d'un coup, tu passes du monde mortel au monde éternel. And when you begin to worship, et quand tu commences à louer, it changes the atmosphere. Ça nettoie l'atmosphère. Now, everyone out loud say, "I'm an eagle." Alors que tout le monde puisse dire, "Je suis un aigle." You may have never done this before. But in a moment, I'm going to ask you to lift your hands. Peut-être qu'on t'a déjà dit ça, mais quand je vais te demander de lever la main, and thank him, je vais te demander d'applaudir. That is God. Parce qu'il est Dieu. Eagles, get your wings up. Est-ce que les ailes des aigles peuvent se déployer? You may have never. You say, I can't talk. Don't talk to you. Talk to him. Je te demande pas de parler. And if all you can do is go. À toi-même, je te demande de t'adresser à Dieu. Jesus, I love you. Jésus, je t'aime. Or you go, hallelujah! I'm going to ask us to take 30 seconds. 30 secondes. Lift your hands. Lève les mains. Close your eyes. Ferme les yeux. Lift your head up. Lève la tête. Open your mouth. Et avec ta bouche. And begin to praise. Commence à louer. Fill this place with praise. Remplis cette fill this place with praise. Que Dieu remplisse là où tu fill es. Fill this place with praise. Remplis Saint-Esprit, remplis sa présence. Fill this place. Lift up your voice. Lève ta voix vers Dieu. The storm has got to go. Alléluia. Peace. Et pour peace. Toi qui vis tempête, qui est la paix. Peace, be still. Alléluia. Now give him a clap offering of praise. Est-ce qu'on peut juste applaudir celui qui règne? Alléluia. Before I go, avant de vous quitter, I want to ask a favor. Je veux vous demander une petite faveur. Tomorrow I get on the train and I go to Brussels. Demain je vais à Bruxelles. Thursday through next Sunday I'm preaching every day. Je vais prêcher toute la semaine. Sometimes twice a day. Parfois deux fois par in jour. In many different cities. Dans différentes cities, villes. I want you to give me 1 minute a day. Est-ce que vous pourriez juste prendre une minute par jour? For the next 6 weeks. Pour les prochaines semaines. Now, how many of you know my last name? Combien connaissent mon nom de famille? French. Parlez-vous français? French. Mon nom est French, c'est-à-dire français pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais, ce qui est perturbant.
If you can't remember French, go Russian. Si tu peux pas retenir français, tu peux dire le russe. God, that man needs your help. Parce que cet homme-là, c'est-à-dire lui-même, a besoin de ton aide. I ask you to pray for me. S'il vous plaît, priez pour for moi. Protection. Pour la protection de Dieu. Provision. Pour la provision de Dieu. In favor. Et pour la faveur de Dieu. We could not do what God has called us to do without your help. On peut rien faire sans la prière. And then let me share with you. I have not been in Russia for 20 months. Ça fait 20 mois que j'attendais de pouvoir retourner en Russie. If you do not know it, COVID-19 is the worst in Russia in the world. Ceux qui ne savent pas, c'est que la Russie est fermée et que le taux de COVID là-bas est élevé. Sometimes up to 1,000 people are dying a day in Russia right now. Il y a parfois des milliers de personnes qui meurent tous les jours. And they're not giving humanitarian religious visas. Et en fait, tous les visas humanitaires et religieux normalement sont annulés. But we asked the Russian embassy permission. Mais j'ai quand même demandé une autorisation spéciale à l'ambassade de Russie. On Friday. Et vendredi dernier. They called my wife. J'ai reçu un appel. And said it's time for Michael to come back to Russia. Et l'ambassadeur de Russie a dit nous acceptons votre visa pour la Russie. I need you to pray. Alors priez. How many of you will pray 1 minute? Vous voulez juste prier une minute? Wow, hundreds. Merci. Vous êtes des centaines à accepter de prier. Thank you for your time. Merci pour votre temps. The Lord bless you. Que Dieu vous bénisse. And keep you. Et qu'il vous protège. The Lord make His face to shine upon you. Que Dieu vous entoure de sa grâce. And give you peace. Et qu'il vous laisse sa paix. Till we see, meet again. Jusqu'à ce qu'on puisse se revoir. Au revoir. Que Dieu vous bénisse. Thank you, Michael. Alors que vous retournez à vos places, je voudrais vraiment vous remercier. Je crois qu'il y a ce pasteur Michael French est un ami à moi. Vous l'avez compris parce que c'était plus qu'une traduction, c'était plus une interprétation parce que c'est vraiment un ami, un papa spirituel. Parce que lorsque l'église MLK était toute petite, il devait y avoir 50 ou 60 personnes. Alors qu'il avait l'habitude de voyager dans des méga églises, il avait accepté de nous visiter la mini église de Créteil. Et du coup, aujourd'hui, avec vous tous qui êtes en ligne et très nombreux, est-ce que c'est pas beau de voir ce que Dieu fait en France? Oui, l'église en France va bien et Dieu est à l'œuvre. Waouh! Merci. Merci pour votre cœur, merci pour ce que l'on vit. Je pense que ce que l'on vit, c'est un... Je ne sais pas si on peut parler de miracle, parce que je pense que c'était dans le plan de Dieu depuis toujours. Et il avait prévu que ça soit une saison de faveur, ici, à Paris, et pour vous tous qui regardez et qui avez besoin de cette nourriture. Alors, le premier dimanche de chaque mois, le premier week-end de chaque mois, à MLK, on va faire quelque chose de spécial. Je n'avais pas l'habitude de le faire, mais je pense que c'est bien de le faire une fois par mois de façon solennelle. Je voudrais que le premier week-end du mois, lorsque l'on apporte à Dieu la part qui lui revient, je parle de nos finances, on va prier et on va bénir tout ce que l'on apporte au Seigneur. Comme Dieu a dit, lorsque vous apportez dans ma maison vos dîmes, il dit « Mettez-moi à l'épreuve et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. » Alors aujourd'hui, vous tous qui êtes en salle, il y a une petite enveloppe bleue. Si vous avez l'habitude de donner de façon physique, cette enveloppe est pour vous. Vous pouvez glisser ce que vous avez prévu volontairement dans votre cœur de donner, cette part que vous dites qui revient au Seigneur. Juste une petite chose que je voudrais vous dire. Je marchais cette semaine et puis j'étais en train de me dire « Ah, je viens d'être payé, je vais apporter ma dîme au Seigneur. » Et j'ai dit « Je vais apporter ma dîme au Seigneur. » C'est comme si j'obtenais moi une petite voix du ciel qui me disait « Hey merci, mais ce n'est pas ta dîme, c'est la mienne, dit Dieu. » Et Dieu me rappelle, il me dit, « Ok, qui est celui qui t'a donné la totalité de ton salaire ?» Je lui dis, « C'est toi, papa. » Et je dis, « Papa, effectivement, ce n'est pas ma part, c'est ta part. C'est celle qui... Merci pour les 90% que tu me laisses, mais c'est à toi. » Et en fait, c'est un pacte entre moi et Dieu. Chacun est libre, chacun gère son budget et chacun fait les plantations qu'il veut. Mais pour vous tous, vous toutes, qui dites, c'est important, ce pacte avec Dieu, cette alliance entre Dieu et moi, entre moi et Dieu, on va juste prier. Merci Père
pour ceux qui donnent de façon matérielle ou ceux qui donnent par internet, en ligne ou ceux qui ont fait. Seigneur, toi, tu sais. Ça ne me regarde pas, ça te regarde. C'est personnel entre chaque individu et toi. Mais je voudrais t'apporter toutes ces dîmes dans ta maison et dire, Père, voici ce que l'on met de côté pour toi. Je crois ta parole. Je crois qu'il y a une bénédiction spéciale et que tu vas entraîner une multiplication pour ces graines qui sont semées et que toi, tu fais pousser. Je ne demande pas une bénédiction pour ma vie personnellement. Je te demande une bénédiction pour toutes les personnes qui vont être au bénéfice de cette graine, de ces graines qui sont plantées en cet instant. Au nom de Jésus, amen. Amen. Moi, je crois que Dieu nous dépasse. On ne peut pas faire de marchandage avec Dieu. Il est le patron, il fait ce qu'il veut. Il fait des choses au-delà de ce qu'on peut penser et imaginer. Il fait des choses ici et il fait des choses là-bas. Alors moi, je ne communique pas beaucoup, mais je juste voudrais dire une chose avant qu'on se quitte. Est-ce que vous savez que MLK a une missionnaire en Asie du Sud-Est? Je pense que presque personne ne le sait. Pourquoi on ne le dit pas? Parce que déjà, on veut protéger son anonymat. On veut la garder un peu secrète parce qu'elle est dans un pays hyper contrôlant. Je ne vais pas en dire plus. Voilà. Ce qu'on appelle des pays fermés à l'évangile. Elle fait un travail humanitaire extraordinaire là-bas et elle va juste nous laisser un petit mot. Bonjour, c'est Karine. Je travaille dans une ONG chrétienne dans un pays d'Asie du Sud-Est qui est touché par la pauvreté. Notre projet est de collaborer avec la population des villages et le personnel médical dans les hôpitaux et dans les centres de santé pour améliorer leur santé globale. Le pays est en confinement strict ou partiel depuis le mois d'avril. Les frontières sont bloquées, l'économie est très impactée, ce qui n'arrange pas la situation de la population. Nous avons pu reprendre nos activités il y a 2 semaines. Soyez bénis. Et elle est super discrète. Je ne sais pas qui l'a connue ici à MLK, mais elle avait un rêve depuis longtemps, c'est d'aller dans un endroit, vraiment elle est au milieu de la brousse, quoi. Elle est dans un endroit mais vraiment jungle, quoi. Que Dieu la bénisse, priez pour elle, ne l'oubliez pas. On prie pour Michael qui va partir en Russie, on prie pour elle qui va partir, qui est là-bas et qui ne peut pas rentrer puisque les frontières sont bloquées, Karine. Voilà pourquoi il y a une deuxième enveloppe aujourd'hui, c'est ce que j'appelle les enveloppes exceptionnelles, pour ceux qui ont à cœur de soutenir les en dehors de MLK. Voilà. MLK, je ne veux pas que toutes les finances soient pour l'intérieur, je veux qu'on puisse donner aux autres. Et cette offrande spéciale d'une autre couleur que le bleu, elle va être pour bénir Karine là-bas, dans son pays, pour aider Michael French dans sa mission en Russie, et pour aider également toutes les petites églises en France qui galèrent. C'est qu'il y a plein de petites églises qui galèrent et l'église MLK est très fière de soutenir avec ce qu'on appelle la mission intérieure des assemblées de Dieu. On donne aussi de l'argent pour soutenir toutes les petites œuvres qui on veut les encourager. Parce que certains se disent, oui, mais vous avez l'air d'avoir tout, tout va bien pour vous. Non, c'est dur pour nous aussi à MLK. On est touchés aussi par le Covid et par plein de choses. Mais on n'oublie jamais les autres. On donne pour les autres. Voilà, c'était tout ce que je voulais vous dire. Est-ce que ton voisin, ta voisine est réveillé? Un peu plus que Jésus dans la barque. Alors toi qui regardes, tu peux te préparer et dire ceci. Peu importe ce que je vis, je suis né pour influencer. Alors tu dis à ta voisine, ton voisin, tu te lèves, on va se réjouir maintenant. Tu le prends par la main, tu dis lève-toi, toi qui dors, lève-toi d'entre les morts et on va se réveiller. Si Dieu t'a donné le souffle de vie, rejoice. Amen. Tout à l'heure, il y avait beaucoup de poules mouillées et je crois que je suis en face d'une bande d'aigles. Amen.
sommes plus que vainqueurs dans le nom de Jésus. Merci à chacun pour votre présence. On espère que vous avez passé de bons moments à chaque instant. Pour ceux qui ont besoin de prière, qu'ils n'hésitent pas à venir sur le côté. Il y aura des pasteurs et des personnes qui vont prendre soin d'eux. Et pour ceux qui sont en ligne, il y a un bandeau qui s'affiche avec le mail où laissez votre message. Donc, rentrez bien chez vous, prenez soin de vous et vraiment gardez richement ce que vous avez reçu ce soir. Soyez bénis. Cette vidéo t'a parlé ? Clique sur j'aime. N'oublie pas également de t'abonner et de déclencher les notifications. Si cette vidéo t'a touché, elle peut aussi faire du bien à ceux qui t'entourent. Prends 5 minutes pour la partager à un proche ou à un ami qui en aurait besoin. Devenir partenaire, c'est facile. Tout d'abord, allez sur le site jeveuxêtrepartenaire.fr. Saisissez le montant que vous souhaitez donner. Ensuite, inscrivez vos coordonnées. Puis, validez mon abonnement. Ajoutez vos coordonnées bancaires et cliquez sur « S'abonner ». Merci. Donnons aujourd'hui pour construire ensemble l'Église connectée de demain. Chers amis, depuis le mois de mars, l'Église MLK a mobilisé tous ses moyens humains, techniques et financiers pour vous offrir chez vous des messages et des émissions de qualité. Car chaque jour, nos équipiers, qu'ils soient bénévoles ou salariés, donnent le meilleur d'eux-mêmes pour refléter l'amour de Jésus. La mission que Dieu a confiée à l'Église MLK consiste à communiquer son amour à vos enfants, à vos ados, à vos amis, à vos proches, à tous ceux qui décrochent de nos églises plus traditionnelles. C'est vraiment cet amour qui nous a attirés. C'est surtout pendant le premier confinement au mois de mars que nous avons découvert les émissions pour enfants. Vraiment, ça nous a bénis. On a passé des bons moments en famille à regarder, donc moi et mes deux filles, on a regardé tous les mercredis pratiquement les émissions ML Kids. Et c'était vraiment une bénédiction pour moi ainsi que pour ma famille. Autrement qu'avec le parler, on peut toucher aussi avec le visuel. C'est juste génial ce qu'MLK arrive à faire en adaptant son message. Dieu est dans cette maison tout le temps, certes, mais le dimanche matin, il est là plus. Nous ne pouvons pas réussir cette mission de reconnexion sans vous. Aidez-nous à les atteindre. Aujourd'hui, nous recherchons 3000 partenaires. 3000 partenaires qui choisissent de rejoindre financièrement ce travail en soutenant MLK à hauteur de 10 euros ou plus chaque mois. Mon seul objectif est de donner une nouvelle chance à chaque personne qui risque de s'éloigner, qu'elle soit auprès ou au loin. Une chance de reconnecter personnellement avec Dieu. Aidez-nous. Devenez partenaire financier de MLK chez vous. La production MLK a besoin de fonds. Voilà, je me dis pourquoi pas semer, parce qu'on a été bénis. Devenir partenaire pour moi, c'est faire ma part pour que ça bénisse d'autres personnes qui, à un moment donné, auraient peut-être aussi besoin de ce message, de ces messages. À tout moment, ça me paraît naturel d'aider cette église à continuer à diffuser le message et à étendre le royaume de Dieu.